Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Alaric, on se retrouve pour la suite du Wokfu de Mischief Makers avec le niveau Chili Dog. Ça va être un chien très chili, voilà. Le retour de Pushy, bien sûr. Alors, oulala. Alors, ah mais c'est lui le mini-boss en fait. Lors de la dernière vidéo, je pensais que c'était l'espèce de robot, en fait non. Là on a la musique des mini-boss. D'accord, je l'attrape la tête, je le plaque au sol. Oh putain, il fait mal. Il m'a fait mal le petit saloupio. C'est marrant, dire une espèce de robot en fait. Un chien robotisé. Bah, ça me rappelle justement une espèce de chien qui s'appelait Pushy, justement, parce que autant Pushy c'est le nom du chien dans Yoshi Island. Mais il y avait vraiment des robots. Des chiens robots, des petits chiens. Et voilà, vous mettiez des piles à l'intérieur et ils pouvaient parler, enfin ils pouvaient aboyer, ils pouvaient. Pouvait chanter, c'était n'importe quoi ces petits robots. Et c'est vrai que quand j'étais petit, je voulais trop en avoir un. Et j'en avais eu un qui s'appelait Pushy. Alors je sais pas si je retrouverai une image pour vous montrer parce que c'était assez drôle. C'était trop marrant ce chien. Wouah 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 wouah. Ça faisait des petits trucs comme ça, c'était trop drôle. Ce mini boss était complètement à chier. Voilà, à chien, j'ai envie de dire. En une minute chrono, c'était réglé. C'est de la mise en bouche. Très bien. Snow, Storm, Maze. Alors Maze, je crois que c'est le labyrinthe. La tempête, enfin le labyrinthe, la tempête de sable. Ça peut faire peur. Ah, une nouvelle statue, donc je ne comprends pas du tout le fonctionnement, mais celle-ci, je peux pas la choper. Voilà, laissez-la. C'est peut-être une espèce d'ancien sage de la montagne qui a été transformé en pierre. Très sympa les petits grains de neige là, je trouve ça très bien fait, même si ça reste basique. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est quoi ces bicyclettes là? Ah! Mais... Attendez, je suis revenu au début. Non, ça ne fait rien si je fonce dessus. Mais c'est énorme! Attendez, il fallait justement peut-être la mettre là. Je l'ai mis sans faire exprès dans le truc, mais... C'était peut-être ça qu'il fallait faire, non? Ça fait rien si je la laisse ici. Vu que je vois qu'il y en a une autre juste à côté en fait. C'est quoi ce truc? Des petites bicyclettes. Lui qui saute en plus, là on va pouvoir le contrôler aussi. Alors attendez, parce que la dernière fois je l'ai fait péter, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ouais, je comprends pas trop son saut là. Ah d'accord. Si j'appuie vers le haut, il saute plus haut. Si je fais ça, et vers le haut ensuite. Attendez, mais il y a déjà la fin là? Pourquoi il y a une étoile? Oh, ah oui, il peut aller sur les pics. Alors attendez, on va essayer d'y aller. Oh là, quelle galère. On ne sait plus où donner de la tête avec ce jeu. Un grand saut. Et ensuite, je pense que je peux essayer de faire le dash. Putain, ça va pas être évident. Oh, mon dieu. Oh putain, en plus elle le lâche tout seul. Dès qu'elle se cogne, elle le lâche. Mais reviens là! À droite! En fait, ça va plus vite de se déplacer en sautant vers le haut. Mais il faut pas se cogner. Oh, je le sens pas du tout! Je ne le sens point! Allez! Mais c'est impossible de sauter jusque là-bas! Moi, je suis censé faire. Oh putain, je l'ai bloqué! Mais non! Oh putain, je l'ai bloqué! Bon, allez, tant pis, c'est pas grave. Je voulais récupérer ma bicyclette au pire, mais je crois que c'est un peu mort. Monsieur, j'ai bloqué les deux. Non, j'ai réussi à choper la bicyclette. Par contre, est-ce que je peux sortir avec la bicyclette? Ah oui, j'ai pas réussi. Oh là là, quelle galère. Mais ça sert à quoi, sérieux? Oh, à part faire des sauts de ouf. Hein. Bah, à part la foutre là, franchement, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Attendez, ça continue, mais c'est juste ça le niveau en fait. Et à gauche, il doit y avoir le cristal jaune, mais franchement, pour arriver à contrôler ce machin qui saute là, c'est l'enfer. Ah, ou alors, attendez, je peux... Ah, fallait peut-être que je le foute là. Parce qu'il y en a un à droite aussi. Comme la bicyclette, fallait peut-être que je le foute à droite. Et le problème, c'est que là, je l'ai un peu bloqué, quoi. Non, pas la bicyclette. Oh putain, bon, attendez. Non, je peux pas recommencer.
Je vais finir le niveau, je vais juste le recommencer vite fait. Voir si c'est ça. Pour avoir le cœur net. Ah merde, c'est pas fini. Ah attends, quoi? Ça fait une boucle? Ah, il nous oblige à le faire. D'accord, très bien. Ok, ça marche. Eh bien, let's go. Tu vas rentrer. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, le sauteur, on va le foutre à droite. Si j'y arrive, hein. Hop. Voilà. Ah, ça fait apparaître notre étoile. Parce que la celle de gauche était factice. D'accord. Bon, après, le cristal jaune, j'imagine qu'il est à gauche en sautant sur les pics, mais... Oh, j'imagine pas la galère. Je préfère laisser ça hors vidéo, hein. Sinon, je vais m'énerver pendant 10 minutes. On va foutre le pot dessous. Récupérer ce qu'il y a dedans. Celui-là. Trois bombes. Ce sont des clan balls directement. Est-ce que je peux les mélanger? Non, ça ne fait rien. Bah écoutez, on va essayer de prendre tout ce qui passe. Là-dedans, il y a quoi? Des cristaux. En fait, d'accord, on n'est pas obligé de faire sortir les objets déjà présents de manière à laisser que les cristaux ou que les bombes. Ça, c'est vraiment pas mal. On peut faire des combinaisons. On va tout choper, on va voir si ça fait des combinaisons. Mince. Non, faut que je le pose en dessous. Alors déjà, est-ce que je peux mélanger? Non, ça ne fait rien encore. Je vais le laisser ici. On va essayer de faire le troisième au-dessus. Par contre, le pot n'est plus visible à l'écran, donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Encore des cristaux. Est-ce que... le pot a réussi à les choper ou pas? Ah, je suis pas sûr que ça a fonctionné. Hein. Voyons. Deux cristaux, trois, quatre bleus et trois bombes. D'accord. Je pense que c'est plutôt cinq cristaux bleus qui forment un vert. Faudrait que je le lance au-dessus. Je vais pas laisser le pot ici. Hein. Voilà. Oula, je le lançais peut-être un peu loin. Est-ce qu'il a des pops? Ah non, il est là. Ça fonctionne très bien. Ah, mais c'est fini? Attendez, mais il servait à quoi ce niveau-là? Ah, mais il y a une autre étoile dessous. Ah putain, faut faire quelque chose. Enfin, ouais, je veux bien choper les trucs à l'intérieur, mais bon. Ça me redonne de la vie, remarque. C'est pas juste ça. Ah, c'est juste ça à faire. Fallait lancer le pot au-dessus et ensuite lancer les bombes. Oui, parce que j'imagine que cette étoile, si on la prend, on en revient au début de cet acte. Il faut choper celle-là pour continuer la suite, d'accord. Encore une progression différente par rapport à d'habitude. Vous voulez pas rentrer dans le pot, vous? Non, peut-être pas. Ce sont des petites énigmes, en fait. C'est très sympa. Qu'est-ce qu'on a ici? Si on a ce décor... Alors là, je sens le cristal jaune qui va popper si on fait une action particulière. Déjà, première chose... Merde, est-ce que le pot... Ouais, c'est bon, le pot est assez bien placé. Je vais faire une petite combinaison pour avoir un cristal vert. Je sais pas si c'est vraiment rentable de faire ça, mais on va bien voir. Peut-être que les cristaux verts, si on en combine deux, peut-être avec les cristaux rouges, il va se passer quelque chose. Ça va peut-être faire le jaune. On ne sait pas. Voyons. Ah non, ça marche pas. Pourtant, j'aurais vraiment dit que un cristal vert plus des rouges, ça aurait fait le jaune. Ah, mais je peux les foutre dans le pot. Attendez, on va les foutre dedans. Peut-être qu'avec leurs fleurs sur la tête, ils vont me produire quelque chose. Rentrez dedans. J'adore comme je les balance. De manière totalement sauvage. Vous allez tous rentrer dans le pot. Je sais pas s'il y a un maximum. On va voir après. Hop là. Putain, mais il y en a combien de ces machins? Attendez, ils sont combien là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Putain, en fait, c'est pas si limité que ça. Hein. Là, j'ai déjà 12 trucs. Il en reste 2. Ça va pas m'échapper. Venez là. Va rejoindre la famille. On va faire une teuf dans le pot. Alors, est-ce que ça peut faire tout ça? Eh ben, je ne fais rien du tout. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Fallait peut-être que je récupère leurs fleurs sur la tête pour faire quelque chose. Parce que les fleurs, ça permet de faire des shurikens. Ouais, faut les passer ici. C'est très étrange, hein. Je sais pas trop ce que je peux faire de plus. J'essaie de choper un peu tout ce que je pouvais. Attendez. Ou alors faut que je les place selon un certain ordre. Parce que là j'ai quoi? J'en ai deux avec des bonnets. Je pense qu'eux ils servent à rien. Ceux avec la fleur, peut-être qu'on peut les combiner. J'en ai quatre d'affilée. Peut-être mettre celui de la fleur, attendez. Il y en a un avec une fleur sur la tête, je vais le foutre au début. J'essaie de mettre toutes les fleurs au début en fait. De manière à ce que, vu qu'il y en a 5, peut-être qu'il faut que les 5 soient... Vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils soient à la suite les uns après les autres. Dans la chaîne. Peut-être que le combo ne fonctionne pas s'ils sont éparpillés. Voyons. Ah non, ça marche pas. Moi, ne crois pas trop complaindre de le seul jeu. Putain, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec toutes ces merdes? On déconne. Déjà le vert, j'ai envie de le choper. Merci. Les gars, je sais pas, il faut peut-être tous les mettre ici en fait. Hein. Ça fait quoi si je les sors et que. Est-ce qu'ils sortent? Ah, ils se cassent non? Qu'est-ce qu'ils foutent? Attendez, je vais les lancer ici. Peut-être que ça va faire popper quelque chose. Hein. Attendez, ce que je vais faire plutôt, c'est. Je vais mettre au-dessus. Voilà. Je vais poser le pot là. Non, poser le pot. Et les balancer. Voilà. Oh merde. J'ai l'impression que c'est comme leur nouvelle maison, quoi. Ils sont. Vous êtes pas heureux d'être ici? Place mal là. Oh! C'était ça. J'ai fait popper l'étoile. C'était ça, d'accord. Bon, il fallait pas trop réfléchir en fait. Il fallait simplement les poser ici. Par contre, le cristal jaune, je pense qu'il faut combiner des cristaux, mais... Ouais, j'ai dû louper quelque chose parce que... Je ne pouvais point le faire. Très bien! Ah, mais si, regardez les niveaux mécaniques. Je pensais que c'était pas des niveaux, justement, mais peut-être que si, en fait. Lunar, on va combattre le loup. Déjà? Voyons. Ce sont peut-être des boss, en fait, les trucs métalliques. J'ai pas fait gaffe dans les autres niveaux. Waouh, cette neige est vraiment magnifique. Je n'ai jamais vu une neige aussi belle. Achoum. Je suis en train de m'endormir. Reste éveillée, Marina. Ce n'est pas le moment d'aller se coucher. Ce n'est pas le moment de bailler aux corneilles. Surtout s'il y a un combat de boss. Le loup qui a carrément une mitraillette. Je t'attendais. Ach. Lui aussi, il est en train de s'arrumer. Tu sais quelle heure il est? Hein? Eh bien, faux. C'est l'heure du boss. D'accord. C'était une petite blagounette. Oui, c'est le boss time. Je suis le gars le plus fort de tout l'univers, le grand lunar Achoum. Je suis en train d'attraper froid ici, pourtant t'es un loup, donc les loups des neiges ça existe aussi. Mais c'est bon, parce que ce sera un combat assez rapide. Oui, je suis totalement d'accord, en train de renifler. C'est marrant, la... Merde. Le... comment dire... Allez, je me concentre, je trouve plus le mot. Ah, il balance peut-être des grenades. Alors, quand il y a la cible, justement, je pense que je peux le choper, en fait. Voilà. Je peux l'attraper. Et... Ah, oh, putain. Je sais pas s'il faut vraiment le balancer sur le sol. Attention, là, il me fait vachement mal. C'est de prendre un peu de distance. D'analyser. Oh non! Con! Je sais pas si je peux choper son arme, je pense pas. Non, je voulais attraper le truc. Voilà. Tiens.
Même son projectile, peut-être que je peux le choper. Hein. Je le fais pas trop mal. Attendez. Ah, j'ai eu l'impression de pouvoir annuler son tir. Ah, je lui ai balancé dessus, sur ses bombes. Arrière. Je te laisserai pas tirer. Faut vraiment spammer la touche pour attaquer, en fait. Ah, d'accord, je peux parer son coup. Et non pas lui renvoyer. Oh! Petit coup vers le sol, hein. Putain. Bon, ça va, j'ai encore deux barres de vie, ça devrait aller, mais... Pas mal ce boss. Merde, il fallait que je le lance de l'autre côté. Oh! Le cristal jaune, j'y crois pas. Ah, mais si, je peux lui rebalancer dessus. Comment j'ai fait? Oh. Bah. C'est énorme! D'accord, ça veut dire que même dans les boss, il y a les cristaux jaunes, je savais même pas en fait. Enfin si, normalement je le savais, je devais m'en douter, puisque j'avais vu le premier boss en speedrun où il réussissait à avoir le cristal jaune, mais j'avoue que j'y pensais plus du tout. Même contre Migun, bah, je pensais plus du tout cristaux jaunes, donc attention là. Comment ça s'énerver. C'est pas évident ce boss, c'est pas le, je sais pas si c'est le, considéré comme mini-boss, mais je pense pas. Le chien à côté, c'était le... c'était du gros caca. Attendez, faut relancer son truc. Ouais, si je le rebalance moi-même, ça fuit rien. Merde. Putain, je le balance pas du bon côté. Tiens. Il a payé son compte encore. Est-ce que ça le touche vraiment, ça? Je suis pas sûr, hein. J'ai l'impression de vraiment que le toucher si je réussis à le relancer sur ses propres bombes. Trop tard. Oh, putain, j'arrive plus à l'attraper. Ces bombes explosent trop vite. Faudrait que j'en chope une. Au vol. Il a réussi à parer ou je rêve? Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit très efficace. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Son arme ne marche-t-elle plus? Oh le con. C'est pas très équitable ce combat, hein, avec son fusil d'assaut là. Allez, balance les bombes là. Ouais. Je comprends pas très bien là, cette histoire de... Je lui envoie ça mais bon. Ah putain, j'essaie d'attraper une bombe. Est-ce que ça le touche vraiment? Oh, j'ai réussi à lui en balancer une. Excellent. C'est bon? Ben nickel. Eh bien, c'est le temps des confessions maintenant. Dis-moi où se trouve le professeur Théo? Où tu l'as emmené? Le vieux... Ce vieux bonhomme n'est plus ici. D'autres cleansers l'ont chopé. Ils ont reçu des ordres spéciaux. De toute façon, tu n'as pas gagné. J'ai perdu à cause de la neige. Mais bien sûr. Ouais, c'est ce qu'on dit. Enfin, essaie de pas t'endormir ici, sinon tu vas attraper froid. Ok. J'ai l'impression qu'on reste en bon terme. En tout cas, on le bute pas vraiment, il reste ici, mais... Il reviendra peut-être par la suite, nous hanter. Cristal jaune, excellent. Moi j'ai que 3 cristaux jaunes sur tout le niveau pour l'instant, mais c'est pas si mal. Le jour d'avant, ce n'est point le jour d'après, mais c'est le jour d'avant, let's go. Le beau temps est revenu. Bonjour. Oh, bienvenue. Ah ben voilà le festival, ça fait depuis le début du monde que je me demandais où il était passé. Le festival athlétique va bientôt commencer. C'est le super hôtel des riches pour les gens qui viennent de très loin. Ouais. Ils dépensent une tonne d'argent. D'accord, ça ce serait l'hôtel en fait.
On va dire ça. On va dire que ça, ce sont les lits. Très étrange. Plus loin dans le stage, Lunar apparaîtra en tant que Cerberus Alpha. Il est très fort, alors voici un indice. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va revenir en fait sous forme de boss encore plus puissant. Écoute attentivement, j'ai deux astuces. Première, si tu attrapes deux fois le missile, si tu attrapes plutôt le laser et le missile, je peux attraper les deux et lui rebalancer sur la gueule, d'accord. Le laser et le missile. Ben, c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Deux, je peux secouer les items que j'attrape, spécialement les missiles. Ne sois pas effrayé de tenter ça. Enfin, n'hésite pas en tout cas à secouer à chaque shake, même les missiles. D'accord, donc il y a peut-être quelque chose que j'ai pas tenté durant le combat. On est d'accord, j'ai pas l'impression de pouvoir faire grand chose ici, donc on va continuer. Les carrés de chocolat. Ouais, ça a l'air d'être l'hôtel ici. C'est un hôtel assez froid, hein. Il fait très frisqué ici. Et ce n'est pas vraiment riche non plus. Je peux pas dormir avec toute cette neige. Je vais aller voir le gérant. Ah, c'est vrai, il va vraiment le voir. S'il est pas content, il va aller se plaindre. On va aller voir, il y aura peut-être le cristal jaune avec cette scène. C'est marrant ça. Ah, on peut les écouter ou pas? Non. Si je te balance dessus. Ils s'en foutent. Ah si, ils me regardent quand même. Dommage, j'aurais aimé qu'il y ait un petit dialogue supplémentaire. Ça aurait été sympa. Tant pis, tant pis. Alors poursuivons. Au-dessus. Est-ce que je peux monter là-haut? Non, je pense pas, je suis bloqué. Il y a plein de... Il y a du monde dans cet hôtel. Il fait super froid. Est-ce que j'ai été... Je me suis fait avoir. Mais pourtant j'ai payé beaucoup d'argent, je ferais mieux d'aller vérifier. Ah, attendez, il faut peut-être tous les ramener vers le gérant. Ne pleurez pas les enfants, il n'y a pas de salle de bain ou de porte. Hein. C'est horrible, je veux me faire rembourser. Excellent, ils sont tous en train de se plaindre. Ah, attendez, lui il est bloqué derrière. Je pense qu'il faudra retourner voir le gérant au début. Une fois qu'ils se seront tous allés plaindre à lui. Vas-y. Ce temps est une torture. Je suis tout le temps en train de souffrir. Je vais aller faire souffrir le gérant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais. Putain, il y en a 3 tonnes. Ce gars est en train de s'entraîner pour le 100 mètres, le dash des 100 mètres. Est-ce que tu veux essayer de le courser? Tu cours sur la ligne, enfin juste en dessous de lui en tout cas. Je te dirai quand démarrer, jusqu'à ce que je dise go. Reste au niveau de la Red Pole, c'est la petite boule. Voilà, c'est la ligne de départ. Attendez, je vais revenir quand même. Je vais en avoir le cœur net là au niveau des trucs du gérant, c'est marrant. Les gosses, ils restent ici. Je vais voir s'il se passe vraiment un truc. Ils sont tous là. C'est énorme. On peut pas leur parler. Ah, c'est dommage. Faut peut-être faire souffrir le gérant. Et après, ils seront contents. Attendez, je vais essayer d'attraper le gérant. Voilà. Toi. Bon, c'est un peu sadique, hein. Les gars, ils ont rien demandé. Ils veulent juste dormir au chaud. Mais le gérant, qu'est-ce que c'est que cet hôtel de riche là? Voilà, je l'ai fait disparaître, vous êtes content? Il n'y a plus de gérant, c'est moi le gérant maintenant. Non, il revient à la charge. Bon bah tant pis. Hein? Ah, c'est énorme, je peux le repousser en utilisant le dash. Je savais pas ça. D'accord.
Allez, trêve de conneries. Comment je fais là, ma petite roulade là? Ah voilà, comme ça. J'oublie tout le temps que j'ai une espèce de roulade. Ok. Bon, c'était juste pour le petit fun. Hein. On va arrêter de traînacher. Et on va faire la course. Course que je sens pas trop parce que la seule course que j'ai faite pour l'instant dans ce jeu, c'était une horreur absolue. Fallait rattraper un gars. Attention. Ah putain, mais il me fait des feintes. Oh putain, le con. Allez, à fond, le dash. Ah, oh, il arrive avant moi. Et en plus, il se moque. Attendez, on va recommencer. Ces clinceurs sont en train de pratiquer la corde tournante. Enfin, voilà, quoi. La corde à sauter, plutôt. Ils ne savaient pas... ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas de saut à la corde. Enfin, de compétition de saut à la corde cette année. De discipline, plutôt. Faut peut-être sauter avec eux. Voyons. Oh, putain. Ah! Ça me permet d'avoir des cristaux rouges. Je vais continuer jusqu'à ce que ça fasse peut-être quelque chose. On va peut-être avoir le jaune. Alors c'est sûr qu'avec l'entraînement de Mario Odyssey, hein, je dois bien vous dire que cette corde à sauter, ça pose pas de soucis. Hein. Il y avait aussi un mini-jeu de corde à sauter dans le tout premier Mario Party. Ah, c'est bien ce que je pensais. Qui était quand même assez, assez ardu. Bah, du coup, la course, on va pas la refaire parce que je pensais que ça aurait été peut-être utile pour le cristal jaune, mais en fait, c'est juste pour le bonus. D'accord. Oh, énorme. Mesdames et messieurs, bienvenue au plus grand festival athlétique du monde. Attends, non, c'est pas ça.